Bienvenue à l'art culinaire et dans le champ. Cette semaine, on rencontre Guy Bouillon de Jardin Nature, personnage presque légendaire du marché public. Et avec lui, on va réaliser une salade croquante tout en fraîcheur. Ça va être vraiment bon. Restez avec nous pour le plaisir des sens. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est vraiment le fun. Je me trouve vraiment chanceuse de cuisiner avec toi. Merci, Annie. C'est un grand privilège. Yes. Moi aussi, j'ai hâte de cuisiner avec toi. C'est un privilège autant pour moi. Écoute, on est yes. Quitte. Dis-moi rapidement, Jardin Nature, t'es au marché ici depuis combien d'années? Ça existe depuis quand exactement? Un petit topo, je suis curieuse de savoir. C'est bon. Petit topo, c'est que la ferme Jardin Nature, je me suis amusé à créer ça en 2006. Puis, okay. À partir de là, j'ai été certifié en 2008, une certification biologique par Écosser à Canada. OK, donc puis, ça s'était vraiment au début. C'était vraiment commencé... l'objectif de départ d'être bio, d'y aller sur cette lignée-là en agriculture. Exactement. Puis en 2008, je crois, ici en plus, c'est ça, on avait comme commencé les marchés publics, c'est ça, dans le petit parc de la Dor, mais plus dans le coin avec des tentes bleues. C'était vraiment le fun à aussi. À l'époque. Fait que j'étais comme un des pionniers là-bas aussi. Là. Chouette, quand même. C'était vraiment le fun. Donc, un des premiers à débarquer tes légumes, faire les étalages et... Oui, faire vendre. Des heures de fou, mais ça, c'est le fun. Ça vient avec. Hein. C'est ça. C'est une passion, jardiner. Faire des beaux légumes, c'est ça qui est important. Oui, ce qu'on oublie, c'est que les gens arrivent à ton kiosque, tout est beau, les légumes sont magnifiques, mais il y a tout le travail derrière ça. On parle pas juste de semaines de travail, on parle de mois et même d'années, en fait, parce que le temps de rendre un On se planifie à l'hiver, c'est ça. Oui, on se planifie à l'hiver, puis justement, quand ça commence, c'est dans le mois de mars, puis après ça, ça déroule, et voilà, on est rendu déjà en septembre, la production est belle, c'est là que tout est coloré comme légumes. Ouais. On voit justement, tu regardes, les poivrons de couleur, c'est magnifique, c'est fou, les petites tomates cerises qui explosent au bout. Ouais. On a pas mal tous les légumes là, qui sont disponibles là, d'instinct ici, c'est ça qui est le fun. C'est le bon temps de l'année, ben, c'est vrai que c'est l'automne, c'est l'abondance. L'été s'est bien passé pour toi, ça a été, bon? Ouais. Oh, je suis vraiment content, c'est ça, assez difficile parce que c'est ça, c'est une sécheresse, on court partout, c'est on récolte, le... tout, ouais, mais le sujet, malgré le sujet que on s'en sort bien. Ça fait plaisir à entendre, c'est réjouissant. Youpi. Hey, tu nous as proposé une recette aujourd'hui 100% jardin nature. Quand même, assez 100%. Il y a deux trois petits trucs qu'on a trouvés ailleurs chez d'autres producteurs. Mais cool. Ta proposition, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Bien, c'est une salade, je l'appellerais la salade soleil du jardin nature. Ah, c'est bien beau. Ouais, c'est vraiment une salade colorée, c'est ça. Ça va être le fun, c'est ça. Avec tout plein de bons légumes, puis des produits que je fais aussi, entre autres l'herbe d'ombelle, puis j'ai le sel du jardinier. Une petite mixture aussi dans notre huile, fait que ça va être Ça va être le fun. Genre, qu'est-ce que tu m'en parles de ces produits-là? Parce que c'est ça, tu parlais tout à l'heure, ça commence en mars avec les semences, les semis, tout ça, l'été, l'automne, on récolte, mais l'hiver, c'est ça, t'es pas en vacances dans le sud, là, tu transformes tes produits, il y a tout on transforme à partir de novembre, j'en fais aussi, mais j'ai un autre petit travail d'appoint aussi durant l'hiver. C'est bon. Il faut tout le temps bouger. On aime ça. Hey, en parlant de bouger, on fait On bouge. On va commencer à préparer nos trucs. On fait une pause pour une capsule. Puis nous, ça va nous donner le temps de nous installer. Fait qu'on revient avec le point de départ de la salade. Puis j'ai deux, trois petits trucs culinaires à te donner aussi. Ouais. Hey, je suis chanceux. Merci. T'es prêt? Cool. Merci, Annie. Yes. On voit ici, il y a plein de produits et tout ça. Vous faites la transformation après les marchés et durant une petite partie de l'automne et probablement l'hiver. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus en fait de ce que vous faites ici comme produit. Parfait. Bien, c'est ça, la production de légumes en tant que telle, ça se passe durant toute l'été. Puis oui, après ça, exactement, tu sais, tous les produits, on déshydrate, on va conserver un peu de légumes aussi pour faire la production des produits transformés durant l'hiver. Mm-hmm. Puis même dans cette période-ci, c'est une période tellement cruciale parce que c'est là que les produits sont tous récoltés puis qu'on s'amuse à faire des super produits dans bouillotte à bouillon. Puis vous faites des sels aromatisés, vous faites des mélanges d'herbes, quoi d'autre?
Bien, je fais des produits déshydratés, en gros. Okay. Ouais. Je fais des mélanges à soupe, le mélange à soupe doux. Je vais faire le mélange Kim Soup, qui est une soupe plus épicée aussi. Okay. Puis entre autres, oui, le sel du dragon. Puis ouais. C'est ça, moi, dans le fond. Les gelées de piment, gelées de basilic. Okay. Fait que c'est ça, c'est tous des petits produits pour accompagner les repas de tous les jours ou dans le temps des fêtes, faire des petits canapés, entre autres. Je prends des gelées de piment, gelées de basilic. Là. Ouais, puis tu parlais de temps des fêtes, le marché de Noël s'en vient bientôt également. Oui, effectivement. Après la saison du marché public, ça, il y a un mois et demi à peu près de... Oui, gros max. Gros c'est max, là que le gros se passe. Tu sais, veut pas, tous les produits qui sont déshydratés, puis après ça qu'on met en... On prépare, qu'on fait la préparation pour faire les contenants qu'il faut, les produits. Ouais, fait que c'est beaucoup de travail, d'énergie, mais ça permet d'allonger la saison, en fin de compte. C'est ça qui est bien de dire, de récupérer ces produits-là, qui auraient pu être la perte aussi. Fait que, faut le prévoir. J'aime ça être dans mon environnement de travail ici, puis, tu sais, cuisiner avec des produits comme ça, frais ou, tu sais, de conservation, c'est vraiment magnifique. En tant que cuisinier également, travailler avec des produits frais, goûteux, savoureux, comme les tiens, comme ceux qu'on trouve au marché public toute l'été, c'est absolument fantastique. Il n'y a rien de mieux, en fait. Puis on n'est pas obligé souvent de rajouter de grands extras à ces produits-là que vous nous concoctez à chaque année. Yes. Que vous nous préparez, c'est vraiment super. Merci beaucoup, Guy. Ah, ça fait super plaisir, moi aussi. Merci. Je pense que tu as des trucs pour moi. J'ai des trucs pour toi. Es-tu prêt? Oui. Yes! Question de donner un peu... jouer avec une texture un peu moelleuse à ta salade qui va être super croquante, puis d'aller chercher d'autres saveurs sur des légumes qui sont déjà dans ta salade. Je te propose de faire des gousses d'ail confites, un truc super simple, rapide. Puis on va également faire des tomates cerises confites. C'est le fun. Ça prend 10 minutes à peu près. On glisse ça dans le four. L'ail, on va la faire ici à la casserole. Hé, écoute, est-ce que tu veux me détacher? Ah, je vais te faire ça avec plaisir. Oui, on n'a même pas besoin d'enlever la pelure. On les laisse en chemise comme ça. Sérieux? C'est vraiment le truc super simple. Et qu'on fait juste les enlever. Ils sont belles, je vais l'avoir. oui, c'est le fun de cuisiner dehors. Hein? On n'a même pas besoin de ramasser les pelures. On a le vent. Fait que c'est tout simple. On les met comme ça entière. Puis, on va venir ajouter. Est-ce que tu vas te faire attaquer? Oui. Et voilà. Je vais t'ajouter. Un peu d'huile d'olive qu'on va rajouter dedans pour couvrir à peu près la moitié de nos gousses. Puis, on va chauffer ça, je dirais, entre 15 et 20 minutes. Mais on ne veut pas que l'huile boue. On ne veut pas les faire trop cuire. On veut juste les faire confire doucement. Fait qu'on va monter la température à peu près à 80 degrés Celsius. Le truc pour savoir, 80 degrés Celsius, tu mets ton doigt dedans, c'est super chaud, mais ça ne brûle pas. On le fera tout à l'heure, ça va être le fun. Mm-hmm. Donc, on va juste laisser ça chauffer tranquillement. Et on va terminer avec... Les tomates. Tomates, super simples. On va les prendre à peu près toutes la même grosseur pour avoir une cuisson. Il ne faut pas t'oublier, les petites oranges, là, c'est les plus sucrées, moi, je te conseille. Les petites oranges? On va y aller. Je te suis, j'aime l'idée. Mais c'est vrai que c'est bon, c'est du bonbon. C'est pas des légumes, des fruits, c'est des bonbons. Des bonbons. C'est délicieux. Donc on y va avec ça. Est-ce que tu enlèves les petites pédoncules? Non, on les garde. On y va directement comme ça. OK. On y va avec l'huile qu'on a sous la main, mais l'huile de colza, je trouve ça le fun, ça amène un peu de saveur de noix. Fait que juste comme ça. Et tu permets, je vais y aller avec ton sel de jardinier. Ouais. Yes. Qu'on va juste ajouter doucement comme ça. Et rien de plus compliqué, un four à peu près à 350. On met ça dedans et on va compter 10 à 15 minutes. Cool. Ben oui, absolument. Je mets ça juste là. C'est beau ton kiosque. Et voilà. Merci, oui, on est bien installé. Et voilà, fait que ça c'est pour les trucs culinaires. C'est réglé, c'est fait. Et là, ta partie de la recette. Oui. On commence par quoi? Poivron, tomate, qu'est-ce qui te tente? Bon, on va y aller avec poivron. Poivron, yes. Tu avais un bon truc, je pense, pour les travailler. Puis moi, j'ai un petit fait pour le poivron. T'avais-tu un petit bol juste pour mettre les... Tout ça ici. Okay. On est super bien installé. Quelle grosseur tu veux? On va être correct, ça. Je te laisse ça ici pour l'épleure et... Ouais, je vais peut-être le laisser ici, on va avoir plus de place. Ben, mon truc, c'est super simple. C'est que, c'est ça, j'arrive... Tu fais juste le pousser dedans? Ah oui, pousse dedans. Fait qu'on n'a pas besoin. Puis, on l'arrache comme ça ici. Fait que dans le fond, il ne reste pas de pépins. On n'a même pas besoin de couteau. On secoue. Et voilà, c'est réglé. Hey, j'aime bien. T'as fait. Voilà. OK. C'est comme ça. Nous autres, on était plus habitués à faire une restauration de découper avant. Mais... OK. Tu y vas. Et comme voilà. Ouais, j'aime bien. C'est le fun, hein? C'est réglé, c'est le fun. On y prend goût rapidement.
Hey, pendant qu'on prépare nos légumes, Guy, je veux savoir, ouais. Écoute, on se côtoie régulièrement ici au marché. Comme tu dis, tu es un des pionniers qui était ici dès les premières heures du marché public. Mais tu viens d'où exactement? T'es-tu de la région? Oh, je suis vraiment de Saint-Anaclet-de-l'Essard. C'est juste à 15 minutes de Rimouski. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, ouais, c'est un beau petit coin. T'es né là? Oui. Puis t'es installé là? Bien, c'est ça. Je suis sur la terre familiale. Ah, fait que c'est chouette. Ça, dans le fond, jardine sur la terre familiale de mon père. Puis c'est vraiment le fun. Parce que c'est une micro. C'est comme un micro-climat qu'on a. C'est dans une vallée. Puis c'est vraiment chaud en plus là-bas. Donc plus de chaleur, moins de précipitations, ça prend la même chose? Ou on est sur. Non, ça, c'est. C'est autre chose. C'est autre chose des précipitations. C'est le côté. Bol, non, t'as pas dit bol, ça va super bien. Oh yeah. Fait que microclimat, Saint-Anaclet, depuis que t'es petit, t'as-tu quitté région pour des études? Non, j'ai resté faire mes études ici. Okay. Après ça, c'est ça. Où j'ai travaillé en foresterie, comme technicien forestier aussi de formation. Fait que là, c'est sûr que. Ça part de là. Mais oui, j'ai eu le goût de me lancer en agriculture, c'est ça, en 2004. J'ai fait des petites formations d'appoint, puis c'est ça, je me suis lancé dans le maraîcher à partir de 2006. Ouais. Donc, depuis ce temps-là, t'es au jardin et au potager. Oui. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui est le fun de ça, c'est de faire des super produits puis de réussir à manger sain toute l'année aussi. Ouais. Ça, c'est le fun, ça, de s'approvisionner en légumes de même. Absolument, puis de voir justement les transformer un peu ou complètement, puis réussir à faire le tour jusqu'à la prochaine saison, puis avoir des bons trucs qui garnissent notre garde-manger. Oui. Yes. Allez, légumes, on va couper comme ça. Comme tu veux. Ben c'est toi. Je suis ta recette. Vraiment, là, je te laisse y aller, on fait, tu sais, libérer l'espace, on va. C'est la danse du plat. On fait des cubes. On fait des petits cubes, des petits cubes, tout petits, plus petits. Allez, go. Okay. On y va un petit cube pour les poivrons. Ouais. Moi, je vais juste ciseler. Enfin, on a un bel oignon blanc ici. Puis je vais ciseler vraiment mince pour que ce soit agréable en bouche. Okay. Puis on fait, pendant la pause, on va préparer nos concombres, les tomates. Puis on revient sur la suite de la recette. Puis juste, tu me donnes tes trucs pour faire l'huile aromatisée avec ton sel dans le Ça marche avec plaisir. Super bien. Présentement en compagnie d'Alain des Vergers de la Solaie, on va parler de pommes et de poires parce qu'ils poussent des pommes au Québec et on le sait, et dans le Bas-Saint-Laurent beaucoup, mais des poires peut-être un peu moins. Bonjour Alain. Bonjour. J'aimerais que tu nous parles en fait des variétés de pommes que vous avez en fait dans vos vergers, mais également de ces délicieuses poires. D'accord. Au niveau pommes, on a plus de 30 variétés de pommes, notamment des pommes qui viennent de Nouvelle-Écosse, qui ont été faites sur des porte-greffes naturellement résistants à la tavelure, donc moins de fongicides. Et puis au niveau des poires, c'est des poires qui ont été développées par l'Université du Minnesota, donc zonées 3 à 4. Et le climat qui correspond en fait au Bas-Saint-Laurent. Exactement. Ici, donc on profite de la présence du fleuve Saint-Laurent pour avoir des gels moins hâtifs et des gels plus tardifs. Alors, généralement, les poires fleurissent 15 jours avant les pommes. Puis chez nous, bien, les pommes fleurissent le 15 de juin. Donc, début juin, c'est les poires. Puis 15 de juin, c'est les pommes. Puis elles arrivent à peu près toutes en même temps, en septembre, octobre, novembre, à maturité. Et vous avez, je pense, une variété un peu plus tardive au niveau de la poire. Oui, qui est la Patton. Alors, la première poire qui arrive, c'est la Miné-Miné, que les gens connaissent. Bon, Miné-Minnesota. Ensuite, on a la CLAP, C-L-A-P-P. Ensuite, on a la beauté flamande qui est celle-ci, qui est une belle poire en tant que telle, qui a une petite finale à cannelle. Et la dernière, c'est la Patton, P-A-T-T-E-N. OK. Ouais. Et puis, pour la cuisine proprement dit, quelle on utilise plus pour faire la cuisine et par rapport à son caractère, peut-être acidulé, plus sucré, tout ça? Généralement, ce qui se passe, c'est que au niveau des poires, les gens sont vraiment pas habitués à avoir des poires qui sont cueillies à l'arbre, puis qui sont cueillies de façon très récente. Là. Vous voyez, si on regarde là, la feuille, ça fait pas longtemps que ça a été cueilli. Si elle est verte comme ça, là, on l'a cueillie hier. Là. Okay. Donc, beaucoup de gens les achètent pour les manger, parce qu'ils sont pas habitués à avoir des poires qui sont bonnes comme ça, ou qui sont arrivées presque à maturité sur l'arbre. Sur l'arbre, oui. La poire tardive, la Patton, est une poire avec une construction intéressante et elle peut être, elle blanchit, elle reste blanche, là, donc elle s'oxyde peu et elle se coupe très bien en demi, le cœur enlevé en sirop. Après, ça fait durant l'hiver des poires belle hélène, des tartes tatin à la poire, ce genre de choses-là. Donc les gens ont tendance un petit peu à
prendre la poire Patton pour en faire de la conserve entière, de fruits entiers, puis les autres, de les vraiment les manger comme ça. Ouais. Puis je vois ici, là, en terminant, que vous avez une petite variété de pommes à geler. Hein? Ouais, c'est ça. C'est la pommette, c'est la McFree. La McFree? Oui, qui fait une gelée ambre, un peu couleur sirop d'érable. Ouais. Puis ici, on a le rubis de septembre. Le rubis de septembre, là, c'est magnifique, hein? C'est assez incroyable. Là. C'est une belle poire. Et ça, c'est une poire qui vient du nord du Manitoba. Okay. Donc, qui est zonée 3. J'ai dit une poire ou une pomme? Une pommette. Donc, on voit la pommette parce que le pédoncule est plus long. Là, oui, tout à fait. Puis, normalement, elle est veinée rouge à l'intérieur. Donc, ça fait vraiment une gelée rouge. Une belle gelée rouge. Ça, ouais. On pourrait vraiment en parler encore pendant les heures. Je pense qu'on fait pas le tour. Hein. Ça marche. Merci beaucoup, Alain. C'est très gentil. Pas de problème. Merci, bonne journée. T'as un œil sur l'ail, toi aussi. Hein? Vraiment. Hein? Vraiment. Écoute, on est à peu près à mi-cuisson. Mm. C'est déjà super odorant. C'est toute beauté. Juste des petites bulles qui montent comme ça. On veut pas plus fort. Ça va être vraiment parfait. Et écoute, t'as déjà coupé presque tous les légumes nécessaires à la salade? Yes, pas mal prêt. C'est parti, prêt? Oui. Prochaine étape? Ouais. Fais-tu l'huile? On fait l'huile. C'est ça le fun. Okay. T'es prêt? C'est bon. J'essaie ici pour toi. Puis genre que tu me donnes tous les secrets de ta recette. Ouais, pas compliqué. Pas compliqué? Alors, je te donne cuillère. Good. Huile. Est-ce que je vais faire wine? Ouais. Moi, je vais pas à l'œil. Ah oui, bien absolument. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ça. Souvent, ben, je pense que pour les vinaigrettes, on s'entend souvent sur un ratio 2/3 d'huile, 1/3 de vinaigre. Mais écoute. On en met un petit peu plus. On a beaucoup plus de légumes. Hein? On a quand même pas mal de légumes, moi. Ouais. Je pense que c'est un bon départ. Ouais. Et voilà, comme super. Ça. Super. Et ça. J'ai vinaigre de basilic poupre de Viverbe pour. Attends. Je fais ce que Chantal fait. Donc, excellent. On va venir ajouter ça. Ça va être. Ici. De côté vinaigré. Comme ça. Bon départ. On va l'essayer de même. Ouais. On s'ajuste trop. Absolument. C'est la beauté de la chose. Ouais. Après ça, tu rajoutes quoi dans ton. Là, après ça, on va rajouter une cuillerée à thé d'herbe d'ombelle et de sel. Et voilà. Donc, je te laisse si tu as besoin. Ouais, c'est une cuillère sèche pour. Cool. Pour ajouter. Ça, comme ça. Et c'est bien le fun. On a une amie guêpe qui. Qui est venu venir voir si la recette était bonne, si c'était bien parti. Fait une grosse cuillère à thé d'herbe. Oui. Fait que c'est vraiment ce qui va être l'élément aromatique de la salade. Puis et le sel du jardinier aussi. Ah, surtout celui-là. Ouais. Ben, parle-moi-en, en fait. L'inspiration, t'es venue d'où? Puis, donne-nous pas tous les secrets de ta recette. C'était un premier coup de cœur que j'ai eu. Je me suis dit, ça serait le fun de faire un bon sel avec des herbes déshydratées. Puis tout. Fait que là, je me suis dit, avec les herbes toutes moulues, un bon sel de mer gris aussi que j'utilise pour le faire. Ça donne un sel qui est vraiment très parfumé. Ouais, c'est juste bon. Puis dans tout, on l'utilise. En tout cas, moi, j'utilise vraiment dans plein de trucs. C'est tout le temps bon. C'est on peut dire que c'est le sel passe-partout. C'est ça. Par excellence, ça. on en met partout. On aime ça. Fait que t'en rajoutes quelle quantité à peu près, celui-là? Environ une cuillerée à thé aussi. Mm. Fait que ça va quand même être vraiment goûteux. Comme ça. Fait que ça, c'est fait. Oui. Hey, je me permets, pendant que tu brasses la base de ta vinaigrette, avec la salade, un peu de crouton de pain, ce serait le fun. Fait que j'ai une belle baguette ici qu'on va pouvoir juste faire griller rapidement. Puis on va, en fait, l'ail confit va nous servir aussi à aromatiser notre baguette une fois qu'elle va être bien grillée. Fait que sans rien d'autre dessus, parce qu'on va utiliser l'huile aussi qu'on a pour l'ail confit. Et je vais juste y aller comme ça. Je les glisse au four quelques minutes. Donc, excellent. Secondes. T'avais des graines de poivre. J'ai vu que t'as des graines de poivre rose. Ben oui. Ça te tente-tu? Ça vient de. Ça va peut-être pas pire. Regarde. Hein? Et voilà, amuse-toi. C'est le fun d'improvisation en cuisine, on aime ça. Et je vais juste déposer ça ici au milieu de l'assiette. Ben, confire des tomates, c'est aussi simple que ça. Alors, on a vraiment ici des tomates qui ont gonflé, qui ont cuit, mais qui ne sont pas en compote. On a juste vraiment une tomate qui va être chaude, qui va être super moelleuse. Fait qu'on va la laisser refroidir doucement. Là, ici, ça, je sais que c'est beau. Fait que je vais baisser la température au minimum. OK. Ah, grains de poivre rose dans la vinaigrette. Moi, c'est bien fun. Ça va donner du punch. Absolument. Fait qu'on est prêt à commencer à. Le petit arrangement? Bien oui, certainement. Écoute, je te propose, est-ce que tu veux mettre un peu de. Dans les poivrons multicolores, on pourrait juste rajouter un petit peu d'huile dedans. OK. Puis après ça, on va juste monter ça dans l'assiette en rajoutant les autres trucs sur le dessus. Si je ne me trompe pas, tu offres aussi les paniers
qu'on peut, qu'on peut commander à l'avance, qu'on peut les commander, comment ça fonctionne? Exactement, c'est que la ferme, c'est ça, dans le fond, je fais des paniers à la ferme durant l'été, pendant 14 semaines, puis je vais faire aussi un service aux restaurateurs, puis c'est ça, les gens ils peuvent commander à partir du mois de mars. OK, directement, fait que déjà on s'inscrit à l'avance. Exact. Ça permet de planifier un peu ta production aussi, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Bien, je m'ajuste le temps, tu sais, chaque année. Tu sais, il y a des légumes qui fonctionnent toujours mieux que d'autres à chaque année. Fait qu'on s'ajuste. C'est quoi tes gros vendeurs? C'est quoi les... Sérieusement, les gros vendeurs, c'est sûr que cette année, c'est exceptionnel avec le soleil qu'on a eu. Tu sais, regarde, les aubergines, les poivrons, les tomates, les tomates cerises. Ouais. C'est tous des légumes qui sont le fun à produire. J'aime ça les faire aussi, sérieusement. Parce que la tomate cerise du jardin nature, on s'entend. Sucré, c'est exceptionnel. C'est bon. C'est vrai. Est unique. C'est vrai, unique. C'est je suis content de faire des bons produits comme ça. Génial. Puis on va pouvoir faire une bonne salade. On va faire une goûter direct en salade. Et voilà. Et moi, je prends ça ici. Fait que là, dans le fond, moi, comme ça. Avec grand plaisir, ça va être parfait. Écoute, gars, on va y aller. Mais... ce qui va être le fun, on va pouvoir en rajouter. Oui, on va pouvoir en rajouter après. Cool. Et voilà. Fait qu'on va y aller vraiment comme ça. Sans chichi, mais en même temps, on veut que ce soit. Coloré. Coloré. Et on va faire ça bien linéaire. Hmm. Voilà. Concombre? Oui. Je t'invite à juste déposer sur le dessus. Comme ça? Allez, vas-y comme tu le sens. On est prêt. Laisse aller toute ta créativité comme au potager. Il est grand comment ton potager? Tu cultives sur ta superficie de terre? Ben c'est ça. J'ai 5 hectares, mais tu sais, j'en ai comme quand même juste peut-être 1 hectare et demi, 2 hectares en culture, plus j'ai 2 tunnels, une serre aussi. Fait que c'est quand même... fait que c'est sûr qu'en serre et en tunnel, ça demande beaucoup d'énergie aussi, veux pas. Absolument. C'est vraiment le fun, sérieusement, parce que les produits sont de qualité en structure. C'est ça, ils sont à l'abri justement du vent. Exactement, ils sont moins... la chaleur est au rendez-vous. Ils sont vulnérables aux intempéries, aux aléas. Pas mal, oui. Super. Hey, on arrête ça tout de suite, on va... Comme ça, c'est assez, oui, on va juste à une capsule, puis on revient terminer notre montage avec le reste de nos ingrédients. Excellent. Ça va être prêt à déguster. Moi, t'adore. C'est un peu fin. Oui, hein? Avertissement à tous les téléspectateurs. Cette émission contient du tofu. Mais ça va être bon. Mais ça va être bon. Parce que le tofu, ça peut être chouette aussi. Oui, oui, oui. Je te mets au défi. Ben avec plaisir, je vais le relever. Super. Le défi. Oui, parce que je donne souvent l'exemple, prendre un morceau de steak, pas assaisonné, pas rien, là, juste cru, là, aucune épice dessus, on y goûte, c'est pas si réjouissant que ça. Ben c'est fade. Exactement. Le tofu, c'est un peu la même chose. Ouais. OK, on est sur une protéine végétale, mais ça prend des épices, ça prend des aromates, ça prend des marinades. Fait que c'est comme ça qu'on peut réussir à le préparer, qu'il soit bon, qu'il soit goûteux, puis l'intégrer à notre alimentation. Donc, je vois parmi les ingrédients qu'on va faire une variante qui est différente de la traditionnelle sauce soya et le mélange. Oui, ou sauce asiatique souvent avec laquelle on les mélange. Oui, ça va être avec, on va le faire en croûte, on va le paner pour aller chercher un petit croustillant, un croquant qui va donner autre chose sur la texture. Je pense que ça va être le fun. OK, excellent. T'es prêt à partir? Oui, super. Oui. Je peux te demander de déjà nous couper le tofu en petit bâtonnet? Ça serait cool. Volontiers. Volontiers. À ce moment-ci, là, je t'interdis d'une chose, d'y goûter comme ça. On va vraiment lui donner tout ce qu'il faut qu'on lui donne pour qu'il goûte bon. Ouais. Donc, juste un petit bâtonnet d'à peu près 5 cm, ça va être vraiment parfait. Est-ce que ce serait une technique par hasard que tu aurais utilisée avec tes garçons pour leur faire apprécier le tofu? Et plein d'autres personnes. Et c'est testé et approuvé. Super, pas de problème. Fait que juste en cube comme ça. En fait, le tofu aussi, c'est simple. Bon, d'où ça vient? On nous demande souvent la question. Ouais. C'est simplement la fève de soya qui est pressée, donc qui donne un lait. Et le lait est également ensuite cuit et pressé. Et selon les différentes textures de tofu qu'on veut, le pressage dure plus ou moins longtemps. Oui. Et on obtient des blocs de tofu. C'est tout simplement ça. Donc, c'est rien de compliqué, c'est rien de... Aucune fermentation derrière, derrière le tofu? Non, pas pour celui-là. Okay. Mon truc, en fait, moi, ce que j'aime bien utiliser pour faire les panures légères, la fécule de maïs, le fameux cornstarch. Oui. Fait qu'on va y aller sur quelques bonnes cuillères. Il y a différentes sortes de tofu dans les marchés, en fait. Il y en a qui sont aromatisés aux herbes, aux jalapenos, aux algues, un paquet de choses. Est-ce qu'on est mieux de les prendre déjà aromatisés ou on est mieux de le faire à la maison? C'est vraiment un choix. On choisit celui qui nous plaît. Parfois, si on est pressé, on n'a pas le temps de faire mariner, on n'a pas le temps de lui donner déjà une saveur, bien, c'est le fun qu'il soit déjà prêt à être consommé en goûtant justement peut-être une épice ou un arôme qu'on aime. Fait que c'est un bon point de départ. Okay. Donc, tu as pu voir, j'y rajoute quand même beaucoup de poivre, quand beaucoup même, de sel. Oui, ce que j'aime bien,
nos épices préférées. On y va avec ce qui nous plaît. Ici, j'ai du curry. Du curry, oui. On y va généreusement. Une bonne dose de curry, oui. Ouais, puis j'ai un peu d'épices, 5 épices chinoises. Ah oui. Et super. Ouais. Est-ce qu'on pourrait rajouter des herbes fraîches là-dedans? Écoute, des herbes fraîches, on peut y rajouter un truc qui... Quelqu'un qui aime le steak, on aime souvent les épices à steak. Ah, ouais. Ça fait, ça pourquoi marche, pas. On le met dessus. C'est tout simplement ça. C'est bien coupé? On pourrait confondre les grands carnivores avec une et recette voilà. De... Ben, ouais, tout à fait, en les glissant dans nos sauces, épices, sauce à spag, ce truc-là, là, c'est souvent une bonne façon de les passer. Effectivement. Alors, je mélange ici. Yes. C'est vraiment sans chichi. On va juste brasser. Oui. Les enrobés. Donc, la fécule de maïs, ouais, les épices, le sel, voilà, le poivre, tout est là. Absolument. Aussi simple que ça. Ce qui nous manque, c'est une poêle bien, bien chaude, ouais, un peu d'huile. On va les faire revenir. Et on va les faire revenir. On les fait griller de chaque côté. Ouais. Et c'est tout, c'est prêt. Tout simplement. Tout simplement. Absolument. Et de quelle façon, après ça, on va les utiliser? Je sais que, bon, évidemment, dans toute la cuisine asiatique, en fait, on utilise beaucoup le tofu. Oui. Nous, ici, au Québec, on fait... on le met dans quoi? Les salades? On l'accompagne dans nos sauces, nos salades. On le mange comme ça, en accompagnement, avec des légumes, avec des pâtes, avec du riz. On le glisse, tout ce qui nous plaît. En fait, il y a de limites que notre imagination. Comme j'ai dit souvent. On connaît beaucoup au Québec, en fait, le fromage qui est en forme de bâtonnet et qui est frit après ça. Hein? Oui, ça ressemble à ça. Je trouve que ça, c'est une magnifique alternative. On se fait une petite sauce tomate maison, on prépare les bâtonnets comme absolument ça et on les fait juste en entrée. Vous allez voir, les jeunes adorent ça. Ils vont plonger dedans littéralement. Donc, finalement, pour quelqu'un qui n'est pas très tofu, peut-être quand même des bonnes idées de recettes. Je dois dire que j'en ai déjà mangé à quelques reprises. Et voilà. De force, tout évidemment. Tout est avoué. Enchaîné, mais sinon, j'adore le tout est avoué. Et voilà. Alors, poêle chaude, on est prêt à faire cuire? Et on est prêt à faire cuire. Et voilà, un peu d'huile. Il y en a déjà une poêle bien, bien, bien chaude. Et tout simplement comme ça, on les laisse dorer 2-3 minutes de chaque côté. Wow. On va les tourner. Oups! Dernières étapes pour notre salade. T'es prêt à ajouter les tomates? Oui. On va les mettre dessus. Et des bonnes tomates! Ouais! Ça va être super bon. On va vraiment pouvoir terminer avec un trait d'huile qu'on va venir ajouter dessus. D'accord. On a nos croutons ici qui sont prêts. Alors, on va aller à la pêche à la gousse d'ail. Non, je t'en prie, vas-y. Regarde, super. Je vais juste te montrer, en fait, déjà. Alors, en quelques minutes, qu'est-ce qu'on a eu comme ail? Fait qu'on a vraiment quelque chose qui fait comme une purée. On peut, une texture super tendre, ça va être... Oui, exactement. Ça enlève le côté fort et amer de l'ail. Fait qu'on retrouve un petit quelque chose de super sucré. Fait qu'on va s'en servir pour mettre sur nos croutons. Ça va être super bon. What a puis, tom. Je vais en glisser quelques-uns ici en cachette secrète dans la salade. D'accord. Ouais. Et je veux savoir si on veut... commander des paniers, si... est-ce qu'on va... Bien, j'ai une adresse Internet, c'est sûr. Donc, c'est aussi. Oui, c'est ça. J'ai un site web, bon, j'ai un courriel aussi. Fait que c'est ça, c'est lejardinnature.com. Génial. Fait qu'on peut les voir directement sur le site Internet ou m'appeler directement. 418-750-7123. Et voilà, c'est dit. Et voilà, ouais, c'est vraiment... c'est ça. Fait qu'on peut me rejoindre facilement. Là. Donc, c'est pas difficile yes à... Puis j'ai une belle page Facebook aussi où est-ce qu'on peut aussi retrouver des fils de nouvelles tout le temps. Là. Facile ouais, à rejoindre. Oui. Ouais. Super. Et tous les samedis, ici, au marché public. T'es un des réguliers. Hein? Je pense que t'es là vraiment du premier du au dernier marché. Au dernier temps marché, exactement. Donc, ouais, sans exception, sans faille. Sans exception. C'est important parce que c'est un rendez-vous parce que je pense que le producteur, il faut qu'il soit là aussi, tu sais, avec la clientèle. Ouais. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que moi, j'aime bien ça venir au marché public parce que c'est sûr, c'est comme mes sorties d'été. Ouais. On aime ça. Ben, c'est drôle. Ouais. Le rendez-vous avec tes clients, puis ça me fait penser. En fait, tu as gagné un prix l'an dernier. Oui, bien oui. En fait, Rémi parle par le marché public. Raconte, je trouve ça vraiment chouette. Prix personnalité, prix sourire. Prix sourire. Prix sourire du marché. Ben, ça te va vraiment bien. Donc, je pense yes que c'est toute la beauté de venir faire ici une petite oui virée le samedi, te croiser, te rencontrer. Mm. Ah, j'aime ça. Profiter. C'est le fun au bout. Oui, ça paraît aussi. Ça paraît clair. À toi l'honneur, on y va en cuillère, vraiment, sans chichi. D'accord. Voilà, morceau d'ail. Ah oui, si tu veux y aller comme ça, un morceau d'ail. Je les ai mis sur les bouts de pain, fait que tu vas pouvoir goûter. Tantôt. Ouais. C'est ça.
plein de yeah. Guy, yeah. Merci, ça a été quel du bonheur. C'est le fun de vous avec toi. Grosse bouchée. Chin chin. Je pense que oui. OK, d'accord. On est parti. C'est toujours bon ce que c'est. T'as une vinaigrette, là? Ouais. Garde la recette. C'était vraiment bon. C'est joli. On va juste le mettre sur la table, le plat comme ça, puis on mange à volonté, sans faim. Hein?